Salut à tous, c'est Macradan. On se retrouve sur Minecraft 1.10.2 sur un petit modpack qui s'appelle Forever Stranded où le but sera de survivre dans un désert après un crash d'un avion. Et j'ai désactivé la musique, mais je l'entends encore en arrière-plan. Vieille version de Minecraft, encore parfois quelques bugs. Donc ce modpack inclut pas mal de modes forcément en 1.10.2 comme j'ai dit, et avec un système de vie. Donc vous voyez que j'ai que 4 cœurs pour l'instant, et je vais devoir survivre vu que je suis en difficile et en difficulté bloqué. Alors je vais me mettre à l'abri, regarder le livre de quête. Donc ça va être du classique. Et il y a toujours la musique du jeu. De toute façon, le volume était un peu fort. Voilà, ça devrait être mieux. Donc, qu'est-ce que j'ai comme quête à faire? Alors, obtenir des ressources. Donc, il faut des bouteilles d'eau, un sapling, de la bonne mille. Qu'est-ce que j'ai ici? Un petit sandwich. Potion de résistance à la chaleur, des pommes. Je vais fouiller un petit peu. Et parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Comme si c'était prévu. Et du coup, je peux récupérer ma loot box. Alors, j'ai un petit... chest, qu'est-ce que j'ai? Carpenter, forestry. On verra par la suite si c'est utile. Alors, il faut tuer 50 zombies. Je pense que 50 zombies, 30 squelettes, 25 araignées, 10 creepers, 5 endermen. C'est pas pour tout de suite. Là, je vais directement commencer avec les classiques de Tinker Construct. Et pour ça, j'aurai besoin de bois. Ça tombe plutôt bien. Je ne vais pas perdre trop de temps. Alors j'ai mon bois, faut absolument que je récupère un sapling. Donc quand il s'agira de passer la nuit, bien sûr je pourrais attendre dans le vaisseau, enfin dans l'avion. Du coup, si je dois attendre dans l'avion et que j'ai pas encore de lit, je ferai une ellipse dans la vidéo parce que autrement ça va pas être très intéressant. Ah, j'en vois au moins un. Ah, j'en avais un dans mon inventaire. Voilà, c'est déjà ça. Alors, je vais en garder un peu ça. Alors il me faut déjà un crafting table que je peux transformer en crafting station. Il me semble que j'en avais besoin d'une. Oui, part builder stencil table. Alors part builder, c'est avec un pattern et une bûche. J'ai bien fait de garder des bûches en réserve.
La stencil table, c'est juste une planche et un pattern. Il me manque encore la tool station et puis le pattern chest. Alors, une crafting table, je vais en faire une nouvelle. Et pour le chest, j'ai pour l'instant pas de quoi le fabriquer. Alors je vais poser ça pour l'instant, on réfléchira plus tard à quelque chose d'un peu plus optimisé. Je vais peut-être explorer un peu les différents débris. Ils se sont bien amusés avec on sait que Chisel and Bits. Ok, donc j'ai de l'eau ici, il y a cette petite fuite. Regardez quand même s'il n'y a pas des choses utilisables. Alors je vais récupérer le chest vu que j'avais de toute façon besoin d'un chest. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Rien. Merci. Je vais aller voir par ici ce qu'il y a. J'ai pas d'indication de l'heure. J'ai une petite indication. Enfin, on voit qu'il y a, il y a de l'eau. Enfin, de l'hydratation. Par contre, ce qu'il y a avant, l'espèce de rond, je sais pas ce que c'est. Alors, ici, rien de particulier. Je vais essayer d'économiser un petit peu mon énergie. On voit que le soir approche. Bon, pour l'instant, je peux faire pousser qu'un arbre à la fois. Faudrait que je trouve comment fabriquer, comment récupérer de la dirt. Je vais vite refaire pousser. Alors, non, je vais. Moi aussi, je vais faire pousser cet arbre. Je devrais avoir le temps de m'en occuper avant que ce soit la nuit. Comme ça, pendant la nuit, il y aura peut-être un autre qui poussera. Et puis je peux faire les quêtes aussi s'il y a de nouveau besoin de bois. On va pouvoir jouer sur des modpacks plus récents qui font disparaître les feuillages rapidement. Ça manque un petit peu quand même. Ah tiens, en fait, je me suis pas posé la question, est-ce qu'il y a de l'éclairage dans le vaisseau? Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mobs qui spawnent à cet endroit-là. Après ça, ça se voit pas forcément beaucoup avec le motion blur que j'ai activé. J'ai mis les shaders, j'ai essayé de faire quelque chose, une ambiance qui corresponde un peu à la map. Mais il y a un mode de météo qui est installé. Donc il peut y avoir des tempêtes, je ne sais pas si les tornades sont activées, mais en tout cas, il y a des tempêtes possibles. Alors, de quoi on avait besoin ici encore, c'est le pattern chest. Voilà, parfait. J'ai tout. Du coup, un peu de bois, un peu de pattern en plus. Et je vais pouvoir faire. Ah ben, si, là, c'est pour. J'imagine que c'est pour passer du sable et obtenir d'autres choses. Donc, le sieve, hammer et croque. Croque. Pour l'instant, il fait déjà bien sombre. Alors, oxyve, ok, donc des planches, deux sticks, les sticks gisés. Le
Donc, ou les feuillages. Que des sticks, ça va. Et enfin, le dernier, Wooden Hammer. J'imagine que c'est celui-ci de Ex Nihilo, je vais vérifier. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent ouvrir la porte. J'imagine que non, mais dans le doute, une petite protection. Je sais pas forcément bien cherche. Oui, d'ailleurs, ici, c'est quoi? C'est juste un siège. C'est bien peuplé, hein. Ça se voit que. Il y en a qui est bien rapide. Ça se voit qu'ils n'ont pas d'autres zones où spawner à part l'endroit où je suis actuellement. Alors, on a dit le Wooden Hammer 3 stick 2 planches. Ah, il y a d'autres choses aussi. Ah, puis dust. Du coup, je pense que c'est avec du sable. Ah, no mesh. Ah ouais, c'est vraiment bien peuplé. Hein. Ok, il faut utiliser le hammer sur le sable. Comme ça, ouais, voilà. Bon. Je vais laisser passer la nuit. Je fais une mini pause, je retourne juste après parce que pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. Alors, le soleil est en train de se lever. Donc certains de ces petits gars vont mourir, d'autres pas. Ça va être comique. Je pense que je vais faire, c'est que j'irai dehors et je m'éloignerai de la zone pour les attirer loin. Et que je me fasse une sortie sécurisée en fait pour les prochaines fois. J'ai juste profité pendant la nuit pour un petit peu réordonner les trucs de Tinker. C'est que j'ai mis ici, j'ai déjà fait quelques plans. D'ailleurs, en fait, on pourrait peut-être faire une arme en bois. Ça pourrait être une idée. Il y a vraiment des bruits bizarres. Hein. Si je vais là, j'ai ma petite épée. Bon, alors maintenant, comment sortir? Mauvaise idée. Est-ce que je peux casser ça? Ouais, ça a pas l'air.
les sorcières qui m'embêtent, mais autrement le reste je peux les gérer depuis là. J'aurais préféré éviter. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts. J'en ai une sacrée quantité. J'ai été un petit peu aidé par la sorcière. Ils ont beaucoup de PU ces sorcières, non? Plus que normal, il me semble. Mon épée est cassée. Bon, je peux la réparer ici, normalement. L'idéal ce serait de trouver de quoi faire un arc. Est-ce qu'il y a encore du bois? Plus beaucoup. Donc je vais passer toute la journée à les tuer, puis ça va de nouveau être la nuit qui va tomber. Si j'ai un petit peu de temps, j'essaierai de creuser une douve autour de l'entrée. Ah, je suis en train de brûler, je crois. Je pense que c'est parce que j'ai trop chaud. Comment je peux régler ça? Bon, j'ai toujours un truc de résistance au feu, mais... Vu que je brûle.
Que je fais, est-ce que j'essaye de m'éloigner? Allez, soleil va bientôt se coucher de nouveau. Bien ça pour cette histoire de chaleur, comment je peux faire? Je peux essayer peut-être d'aller dans l'eau qui est à côté. Bon, au moins j'ai récupéré plein de... Ah oui, ça a l'air d'être ça, non? Enfin, quoique... Ouais. Donc il faut que je me baigne régulièrement. Ah mais j'ai mis dans une bouteille comme ça, mais je peux pas la ressortir en fait. Je crois que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Regardez dans le journal de quête. Et ici un. Bon, on n'arrive pas à voir le détail. J'avais pas pensé en fait que ça ferait disparaître la source d'eau de prendre. Bon. Donc ça, c'est fait. Claim. Donc il faut Dirty Water Bottle et des Hog Barrel. Maintenant, je vais manger mon sandwich. Pour boire de l'eau. Bien sûr le pour le haut barrel, mais pas pour le faire parce que j'ai plus de bois. Ça, je peux pas faire quelque chose, je pense, la test. Bon, je vais arrêter l'épisode ici. Puis comme ça, je passerai la nuit en dehors de l'épisode.
Et puis je vous retrouve la prochaine fois pour la suite. On verra si j'arrive à survivre beaucoup plus loin que ça. Pour l'instant, c'est pas très bien. Ça se passe pas super bien. J'espère quand même que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, mettre un pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve à la prochaine. Bye bye.